Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, on va attaquer ensemble un nouveau tuto. Mon album photo, je vais le faire en craft. Mes espaces photo, pris du papier 100 grammes. Je ne vais pas faire d'encoche parce que c'est du papier 100 grammes, ça reste assez fragile et j'ai pas envie que ça s'abîme, donc ce sera juste pour du matage. 25 par 20 cm. Et pour la structure, j'ai vu un tout petit peu plus grand, donc du coup je vais 25 par 7,5. On prend notre craft gommé. Notre double face, nos petites réglettes, ici, notre eau et notre papier craft, bien évidemment. Je vous mets de la petite musique et je vous reprends derrière. Je vais la laisser poser ouverte parce que je vais attendre que ma colle sèche. Si je maintenant, vous voyez, ça va commencer à gondoler. Donc je vais attendre que ma colle prenne bien. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ensemble les pages. Et on va faire nos 4 pages. On prend notre feuille qu'on va faire du 24 en hauteur. Donc notre feuille A4, on la coupe en 24. On va faire un pli à 1,5. Et à 2,5. Qu'on a 1,5 pour coller et 1 d'aisance. Là. Et là. Voilà. On vient marquer haut ici. Et haut. On en fait 4. Voilà. On va attaquer ensemble le tuto avec l'intérieur de couverture. Let's go. Mes petits papillons là, j'ai mis des petits carrés de mousse 3D comme ça. Je l'ai là, comme ça. Vous voyez, je l'ai plié en deux. Et en fait, j'ai mis tout le long ici, j'ai mis deux ou trois, juste sur la tranche là, du coup, j'ai mis de la mousse 3D et je l'ai collé. Une première feuille de 25,5 par 20 cm. On fait un pli de 1 cm en haut. On marque notre pli et on biseote. Et on va venir le coller ici. On va prendre deux feuilles de 16 par 24,5. On fait un pli de 1 cm et un autre à 0,5. Donc à 1 cm puis à 0,5. Ok, on fait ça deux fois. Ma dimension est faite telle que je peux mettre des photos couchées. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Une en haut, une en bas. Je le fais deux fois. Je vais venir en mettre un de ce côté-ci. Et un de l'autre côté. Je biseote et je colle. Donc je biseote sur les 1 cm. Un ici. Vous essayez de le centrer parce que comme ça, ça ne va pas gêner pour les rabats en haut et en bas. Parce qu'on a d'autres rabats à mettre. Et de ce côté-ci, on fait attention que ça ne gêne pas pour notre fermeture. Voilà, c'est bon pour vous ? Il va ici, ici et ici. On va faire ce qui va nous servir de fermeture.
je rouvre ici. Hop. Je vais d'abord prendre celle-ci qui fait 12 par 20 cm. On fait un pli à 0,5, enfin à 1 et à 0,5, pardon. Alors, en fait, c'est votre feuille ici, votre A4. D'accord? Le reste, vous l'avez là. Donc, 20 par 18. Bon, il manque 2 mm sur celle-ci. En l'occurrence, j'ai commencé par celle-ci, donc elle fait 20 par 18 cm. On fait un pli de 1 cm en haut. Et après, avec la chute, donc il doit y avoir 11,7, je crois. Exactement. C'est ça, puisqu'une feuille fait 29,7. On est bien d'accord. Eh bien, je mets le reste. Ok? Donc, je marque mes plis et je biseute. Alors, vous avez remarqué, ici vous avez un 0,5, ici vous n'avez pas de 0,5. On va venir coller celui-ci en bas. Ici. On remet ici. Celui-ci, du coup, donc je biseute en haut et je viens le coller par-dessus. Hop. Hop là, ici. Et pour maintenir fermé, on va faire une pochette et on en fera une autre pour l'intérieur qui fait 8,5 par 22 cm, un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. On marque nos plis et on biseute. Et je viens le coller ici. Et on est pile poil, on pourra venir y mettre un livret pour fermer. On va faire une petite pochette comme je voulais ici. Ça, c'est la chute de ma pochette ici. On a 20, donc il nous faut 22. Hop. Je fais un pli de 1 cm à droite, 1 cm à gauche, 1 cm en bas. Et du coup, si je regarde ma chute en entière, je suis très haute. Ça ne me plaît pas. Il faudrait que j'arrive à descendre par là. 8 cm. Je le garde, ça peut me servir. Peut-être que je pourrais faire un petit passant. Donc, je marque mes plis, je biseute et je viens coller. En l'occurrence, ici, je pourrais prendre une bordure. Donc, je ferme ici, ici. Ici ou ici, ici, ça n'a pas d'importance. D'abord ici et ensuite ici et après un livret, un tag pour refermer. Ensuite, je viendrai faire un livret pour mettre ici. J'ai eu du mal à savoir ce que j'allais utiliser. Donc, on ouvre ici. Alors, là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir mater une photo dessus. Ou alors, Aude a fait des pochettes triangles. Je vais peut-être en imprimer une pour mettre ici. Ici. Alors, ce papier-ci, vous allez le voir beaucoup, beaucoup, parce que je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je viens de le réimprimer en 3 exemplaires. Et je trouve qu'il va très bien avec. Ici. Ici, là c'est pareil, je pense peut-être mettre une dans ce sens là pour mettre des livrets aussi. Ici je vais venir, je sais pas, alors soit venir mettre une petite dame comme ça avec, j'aimerais bien je pense, hop là, mais les mater comme ça. Mais il faudrait que je les mate avant, en cardstock. Du coup on va faire ce côté-ci. Une première page de 22 par 21 cm. On fait un pli de 1 cm à droite, à gauche, en bas. On marque nos plis et on biseute. Et je vais venir le coller ici. Une première pochette. Le système va être, par exemple, quand je vais prendre mon livret, j'ai commencé à imprimer à chaque fois que je fais des die cuts ceci. Je vais en faire beaucoup parce que ce sera pour tirer. J'ai très envie de faire ça à plusieurs endroits, donc voilà. On va prendre une première page de 18 par 20 cm. Un pli de 1 cm ici. On marque notre pli et on biseute.
Je vais perforer ici, ça va faire plus joli. Et ici. Voilà. Ensuite, on va prendre une feuille de 14 par 20 cm, un pli de 1 cm sur le côté. On marque et on bisette. Et je viens la coller ici. On va faire une bordure. Ensuite, deux feuilles de 11,5 par 20 cm, un pli de 1 cm sur le côté. Hop là, on marque nos plis et on bisette. On va venir en coller un ici et l'autre vraiment à la bordure. Ce sont des dimensions faites spécialement pour pouvoir mettre un espace photo. Vous voyez, comme d'habitude, pile poil pour mettre mon espace photo. Donc pour rappel, un espace photo fait 10 par 14 cm et on peut y mettre une photo de 9 par 13 cm. J'en mets un ici. On a les petits points ici, je vais vraiment le coller vraiment au rubber. D'accord ? Hop. Ici, ici. J'avais prévu à la base, donc ne reprenez pas ces dimensions-là, hein, une feuille de 21 par 13 cm. Ça va plus être possible parce qu'on ne voit plus. Donc, je vais reprendre juste pile poil où j'ai collé mon rabat. Et du coup, hop là, je vais vraiment coller pile poil à la dimension. Pour moi, je suis à 11,5 quasiment. D'accord ? 11,5 par 21. Ici, ici. Alors, moi, j'ai pas mis de 0,5. Je pense pas qu'il y en ait besoin. À vous de voir si vous préférez mettre un 0,5. Ok ? Là, là et là. Place aux aimants. Déjà. Hop. Alors, on fait attention de ne pas mettre du crayon dessus. Ici, je vais imprimer des die cuts comme ça parce que tout le monde fait, je trouve que ça fait vraiment beaucoup, très joli avec cela. Et de toute façon, je voudrais en remettre ici, comme j'ai mis ici. Ici, c'est ce que je disais, il manque un petit bout de jaune et je mettrai aussi un die cut. D'accord, je vais en imprimer là tout de suite. Là, j'ai rien mis parce que si j'avais mis un espace photo, on aurait vu en fait et je voulais pas qu'on voie. Donc là, 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 ici, ici. Ici, j'ai rien mis, mais on peut très bien décider de mettre un espace photo. Hein. Il n'y a pas de souci. Maté sur du craft, ça pourrait faire sympa. Je verrai bien lors de mes finitions là et du coup ici, comme je vous disais, pour mettre un tag. J'espère que cette page va vous plaire également. Petite page inspirée par Michel Fieux, recopiée mais à mes dimensions. C'était un album de Noël de mémoire. Merci à Michel. Notre petite page, c'est la première, on les a fait quand on a fait la structure. Une petite feuille de 20,5 par 10,5. Un pli à droite, à gauche, en bas. On marque nos plis, on bisote. Et on vient faire une petite bordure. Ça faisait 10,5 moins la bordure. Et je vais venir coller juste là. Ensuite, on prend une feuille de 18,5 par 15 cm. Pareil, on fait une bordure. Un pli de 1 cm en bas. Et on va venir le coller ici. Je vais biseauter et coller. Ici, ici. Ici, je viendrai mettre un espace photo couché comme ça. Ensuite, on prend une feuille de 11,5 par 20 cm. Donc j'ai changé mes dimensions. Vous allez pouvoir ici. J'aurais coupé le morceau, mais je ne sais plus si je vous ai dit. Ici, on prend un livret. Donc, 29 par 10,5, on plie en deux. Ici, je marque mon pli. Donc, 11,5 par 20 cm, un pli de 1 cm en haut. Je bisette et je viens perforer ma bordure en bas.
peau va venir coller ici. Hop là. J'essaye de centrer un maximum. Pareil, non, tu fais comme ça. Voilà. Et si je veux que là, voilà, ici, là, il faut que au plus mon livret arrive là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon double face, le mettre un peu plus bas. Donc, ici. Un peu plus bas, comme ça, mon livret pourra rentrer jusque là. Et du coup, hop, si je le mets bien ici, ça nous donne là. Et je vais venir prendre encore du double face. Alors, pas totalement jusqu'en haut. Hop là. Mais ici. Et je viens coller ici. On va venir mettre des aimants, bien sûr. Ici, ici, ici. On va miser sur la sécurité et on va pas en mettre 3, on va en mettre 4. Parce qu'une fois que j'aurai les photos, j'ai peur que si qu'après ça a du mal à coller. Et ceux-là, on va les mettre ici. Voilà. Donc, hop là, on marque bien pour que ça prenne bien. Je vous laisse en musique, je mets mon papier décoratif et je vous reprends. Donne cette période. Alors, comme vous pouvez voir, elle n'est pas terminée. Il me reste un morceau à mettre ici, mais je vais mettre encore une fois celui-ci. Mais comme je vous ai dit, je verrai un petit peu avec les chutes. J'ai mis des petits papillons. On ouvre ici. Je vais mettre mes tampons juste derrière. Donc, on pourra mettre juste ici un livret. Ici. Là, c'est pareil. Il en manque un bout. Ce sera du jaune également. Et ici, délivré, je verrai au niveau de la déco ce que je vais faire ici. Et là, donc voici un petit peu ce que donne ma page. J'espère qu'elle vous plaît. Merci à Michel pour son inspiration. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce tuto, bien sûr. Ici, on a toujours le mot « haut ». On va prendre une feuille de 22,5 par 18,5. Un pli de 1 cm. Un pli à 0,5. Comme ça, on a un petit gousset d'aisance. On biseote le 1 cm. Là. Et on va venir, hop, oui, je retourne la page, le coller en haut. On va faire tout de suite le bas. Il nous faut une feuille de 12 par 18,5. Pareil, un pli à 1 cm et un autre à 0,5 pour faire pareil. Un gousset d'aisance. Hop là. Celui-ci, on vient le mettre en bas. Voilà. Là et là. On ouvre ici. On vient prendre deux feuilles de 10,5 par 15,5. On fait un pli de 1 cm sur le côté. On marque nos plis et on biseote. C'est la taille pile poil pour une photo de 9 par 13. Je viens en coller un ici et un de l'autre côté. Je viendrai mettre mes espaces photos après. On referme ici. On ouvre ici. Et on vient prendre une feuille de 21 par 15,5. On fait un pli de 1 cm sur le côté. Et c'est pareil, ça va être pile poil pour mettre deux espaces photos. On marque notre pli et on biseote. Alors après, c'est à vous de voir de quel côté vous voulez le mettre. On referme. On va venir y mettre des aimants. J'en prends 4. Je referme
ici, sans aplatir. Hop là. Un ici, et là, on fait attention que ce ne soit pas, hop là, plus sur le côté. Je vous explique pourquoi. C'est que mon aimant ne se retrouve pas en plein milieu ici. Je reprends deux. On vient prendre une feuille de 12 par 20,5, un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. D'accord ? Pour faire une pochette. Je biseote. Toujours 20,5 par 8 avec un pli à 1. Comme pour l'autre, je marque mes plis et je biseote. Prendre ma perforatrice. Faire ma bordure ici, le coller ici. Je vais prendre la deuxième, faire ma perforatrice et la coller par-dessus. D'accord? Comme ça. J'ai ajouté un petit papillon ici, je viendrai ajouter plus de déco par la suite. On va faire une petite pochette. On prend une feuille de 20,5 par 20,5. On fait un pli de 1 cm à droite, à gauche, en bas. On va faire une pochette pour pouvoir y mettre un tag. On marque nos plis et on biseote. C'est une page très simple. On va venir la coller ici. Je vais prendre ma petite chute qui traîne. Je vais prendre ma perforatrice, je perfore et je vous reprends. Ma chute, j'ai fait ceci. J'ai fait ma perforatrice bordure. Je l'ai fait à 18,5. J'ai enlevé l'excédent. Et ce que j'ai... Alors, je vais pas venir le coller à l'intérieur. Parce que sinon, on va avoir une démarcation et ça va pas me plaire. Je vais venir le coller à l'extérieur comme ça. Et je vais venir coller ici et on le verra plus. Je vais prendre cette feuille-ci. Il vous en faut deux. De 18,5 par 15,5. On vient marquer un pli de 1 cm en haut. On biseote. Je viens en coller un ici et l'autre par-dessus. Un deuxième par-dessus. Vous vous souvenez de ma petite chute dans le tuto précédent? Elle est là. Donc j'ai pris une feuille de 6 par 20,5. Un pli de 1 cm à droite, à gauche, en bas. J'ai fait ma petite banderole et je vais venir la coller ici. Et en fait, je viendrai faire un livret ici qui viendra fermer mon album. On ouvre ici, je vais venir mettre la petite déco bien évidemment, ici, ici, et on va venir fermer avec un livret ici. Bien évidemment, on va venir mettre des petits papillons, hein. Que je mets celui-là ou est-ce que je mets un petit jaune? Donc quand je colle mes papillons, je colle juste là, voilà. J'en mets pas plus, de façon à pouvoir leur donner un petit effet 3D. Que ça dépasse en haut, pas de souci, en bas... moins, d'accord? Mais pas trop en haut non plus, que ça gêne pas quand on va ouvrir. Ok? Bon. Donc vous voyez, je colle juste au milieu de façon à ce que, bon, une fois que c'est bien collé, on puisse les relever comme ça pour un petit effet 3D. Bon. Et du coup, ici, on a 1, 2, 3 photos en plus. Une page simple, rapide, il vous faut pas grand chose. J'espère qu'elle va vous plaire. Première étape, on prend une feuille de 26. Par 10,5, un pli de 1 cm en haut, un pli de 1 cm en bas. Pourquoi cette dimension? Pile poil pour mes photos. Donc si jamais vous faites d'autres photos des autres dimensions, par exemple du 10 par 15, ici il va vous falloir 11,5. On vient biseauter au niveau de nos 1 cm, que ce soit en haut ou en bas. On viendra le coller ici. Avant de le coller, on va prendre une feuille de 11,5 par 24 cm. On fait un pli de 1 cm. Hop là. On marque notre pli. Et on biseote. Le but va être de le coller en dessous pour que ça se voie moins. Je vais venir le coller
bien correctement ici. Comme vous l'avez deviné, ce sera un livret. Donc, ici, ça va aller là. Donc, on va d'abord mettre du papier décoratif. Hop, je vais juste prendre du fichier de découpe. Hein. Hop. Donc, ici. Ici. Et là. Donc, du coup, si je mets là, il faut vraiment que je fasse attention, voilà, que au niveau de l'emplacement. Ok. Donc, il faut que je trouve un papier qui aille avec celui-ci. Comme ça, je mets là. Je mets à ce niveau-là. Pour pas que ça touche, et en fait, ce qui va tenir ici fermé, ce sera un livret. Ok, je vais d'abord mettre des aimants pour fermer ici. Hop là, alors 2. Je mets du papier décoratif en dessous, ici en complément de mes espaces photos. Donc, je pense que je vais en mettre un ici et un ici. Ici, du papier décoratif. Ici, je viendrai placer d'abord ici, ok? Je vous explique parce que je vais tout faire en vitesse accélérée. Et une fois que ça se sera placé, je viendrai placer ici, de façon à ce que ça, je voie où ça ne gêne pas pour mettre mon livret, d'accord? Pas d'aimant sur le livret puisque ce sera le tag qui sera ici, qui le tiendra fermé. J'ai mis du double face que comme ça, ce qui fait que, alors, une photo entière ne rentre pas, mais je me suis dit pour mettre du journaling, voilà, je laisse l'option, ou pourquoi pas un livret 10 par 10, là ça rentrerait. Donc voilà un petit peu pour cette page, j'espère qu'elle vous plaît, on va venir la coller ensemble dans l'album photo, comme ça vous allez voir, hop là, ici pour celles qui n'ont pas l'habitude, donc on prend notre feuille, ici l'aisance, ici le collage. Donc, je mets de la colle dessus, de la bonne colle qui colle bien. Donc pour ma part, hop là, je garde celle-ci. Alors, j'avais déjà collé la première. Je m'étais servi de ma réglette en T, comme ça pour être sûr qu'elle est bien droite. Normalement, une fois que la première est droite, les autres seront droites. Et je colle à la suite. Hop là. Hop. Voilà, on insiste bien pour que ça prenne bien. Voilà, on nettoie bien la colle aussitôt pour éviter que ça fasse cracra après. Et je vais laisser mon album dans ce sens-là pour qu'il puisse poser tranquillement. Je ne vais pas le mettre debout pour éviter que ça tire sur le papier, qu'il veuille s'affaisser. Je laisse comme ça il va bien rester aplati. Donc j'espère que ce tuto vous plaît toujours autant. Les papiers sont vraiment splendides, je les adore. Une page sympa aussi facile comme l'autre. On va prendre en premier lieu deux feuilles de 16 par 10,5. On fait un pli, hop là, à 1 cm et à 0,5. Comme ça, on a de l'épaisseur. Donc 1 et 0,5. On fait ça sur les deux et on biseaute. On va venir en coller une en haut et une en bas. Et on tâche de les mettre bien en face l'une de l'autre. On essaye de centrer un maximum. Allez là. Ici, j'ai 4 et ici, 1, 2, 3, 4. Impeccable. Hop, on l'a dit, bien en face l'une de l'autre, puisque ça va fermer nos autres rabats. On marque bien nos 0,5. Et là, je me dis, j'aurais dû faire plus long pour mettre une petite bordure. On va rattraper le truc comme on a fait la dernière fois. Il va vous falloir 4 feuilles de 14,5 par 11,5, un pli de 1 cm sur deux côtés, on marque nos plis, on biseaute. On fait ça 4 fois. On vient en coller un ici et un ici. J'ai réimprimé une feuille comme ça qu'on avait utilisée dans le précédent. Je vais venir la mettre à la bonne dimension. Je vais venir l'ancrer tout de suite. Je vais venir placer ici, sans la coller, d'accord. Et en fait, mes deux livrets qui restent, je vais venir en mettre un ici
comme ça. Donc on essaye de le mettre bien droit, hein, pour que ça suive bien correctement, que ce soit bien aligné. Et on va venir en mettre un deuxième comme ça ici. Ok, donc on essaye de bien les placer. Ça me paraît sympa. Alors, on fait en sorte que ce soit bien droit. Donc pour ça, on reprend notre réglementé. Hop, on a dit ici. Voilà, hop. Là. Et du coup, de là à un peu plus ici, voilà. Et je vais venir couper. Hop là. Là. Pareil. Ici. Voilà. Du coup, je vais venir mettre du double face derrière. Et les placer ici. Et ici. Ok? Let's go. Voilà ce que ça donne. J'ai rattrapé, comme je vous avais dit, hein, vous avez pu voir comment j'ai fait. Je l'avais déjà montré une première fois. Ici, je viendrai mettre quelque chose parce que ça manque de déco. Là, ici, je n'ai rien mis. Je pense que je verrai avec les cartes. Et ensuite, des espaces photos. Vous pouvez toujours ajouter un espace photo ici. Hein. Hop là. En le mettant sur du craft, ça fera plus joli. Moi, je verrai par la suite au niveau de mon nombre de photos où j'en suis. Ce sera le moment définition. Donc là, là. Et là, donc j'espère que cette petite page vous aura plu, simple mais originale. Vous prenez une première feuille de 24 par 14,5. On fait un pli à 1 cm et un autre à 0,5. Hop, ici. Et ici, on a un gousset ici. Je viens biseauter sur mes 1 cm et je vais venir le coller ici. On prend une autre feuille de 24 par 8,5. On fait un pli de 1 cm et un autre à 0,5, pareil. On biseaute les 1 cm. On ouvre ici. On prend une feuille. À la base, avant que je fasse ma petite bordure, la chute pesait 20,5 par 9,5. Maintenant, une fois que j'ai enlevé ma bordure, elle fait plus que 8,5. Ça a enlevé 1 cm. D'accord. Hop là. Donc, je marque, mais je fais 1 cm de chaque côté, bien évidemment. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Voilà, on marque nos plis, on biseaute et on va venir la coller en bas. Je viens ici, sans aplatir, mettre là, hop là. Donc là, ce sont les endroits où il va y avoir mon aimant. J'ai vraiment prévu just. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un livre. Je l'ai fait trois fois, de 10,5 par 29. Je l'ai plié en deux. Ce qui fait qu'à l'intérieur, je pourrais mettre deux espaces photos de 9 par 13. On va faire trois pochettes pour pouvoir les mettre. Une, deux et trois. La première fait 13 par 21 cm. Ce qui fait que, vous voyez, avec mes rainures, j'ai un pli de 1 cm à droite, à gauche, en bas. Et si vous voyez bien mes rainures, ça va être pile poil. Je biseaute. Ça va être plus simple pour que ça reste bien plié. Je vais venir le coller. Ici, on va d'abord coller du papier décoratif parce que sinon on va galérer. Je vais mettre mes aimants, des 5 par 5.
Maintenant, on vient coller par-dessus ici. Au lieu de faire bien dans l'angle, je vais juste, en faisant attention de ne pas dépasser, voilà, ici, laisser un tout petit fin de papier ici et sur le côté. Hop, voilà. Vous voyez, comme ça. Un tout petit peu. Mais il ne faut pas que ça dépasse ici, d'accord? Ensuite, je prends un autre, toujours de 13, mais ce coup-ci par 18 cm. La même chose, un pli à 1 cm de chaque côté. On marque nos plis, on biseote. Je viens la coller par-dessus. Et enfin, une dernière, de 13 par 15 cm. Un pli de chaque côté. Hop là. Et je biseote. Et on vient le recoller par-dessus. Vos trois livrets sont faits, on va venir en mettre. C'est à vous de voir si vous voulez mettre un aimant ou pas. Pour ma part, je mettrais bien un aimant quand même, pour être sûr que ça tient bien fermé. J'espère que cette page vous plaît. Il me reste encore mes finitions à mettre ici. Il nous reste encore deux pages à tourner. On commence par deux feuilles de 14 par 24 cm. On fait un pli de 1 cm. On marque nos plis, on biseote. Et de deux. On vient en coller un de chaque côté. Ensuite, on va prendre deux feuilles 11,5 par 24 avec un pli de 1 cm pour pouvoir mettre un espace photo. On vient en coller un de ce côté-ci pour faire comme ça et pareil de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté, on le met ici. Donc comme ça on fait ici, ici. Et pour que ça fasse plus joli quand on va refermer, on prend une feuille. Alors, c'est une feuille A4 comme ça que j'ai coupée à 18,5 sur la largeur. Ok. J'en ai pris une première partie de 16 cm, donc 18,5 par 16 cm, un pli de 1 cm en haut plus 0,5. Je biseote les 1 cm et je viens le coller en haut. Hop, j'ouvre ici et je viens coller ici. On fait la même chose, alors ce coup-ci on prend une feuille de 18,5 par 13,5, donc c'est le reste. Un pli de 1 cm, un autre à 0,5 et on vient le coller en bas. On biseote nos plis sur le 1 cm. Je reprends ici, 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 d'abord le bas, ensuite le haut, d'accord. Pour pouvoir fermer, on ne met pas d'aimant, on prend juste une feuille, alors... Mesure, ce sont les mesures avant de faire ma bordure, d'accord? Donc de 20,5 par 9,5, un pli de 1 cm à droite, en bas, à gauche. Je marque mes plis, je biseote et je fais ma bordure. Et je viens la coller ici, je viendrai mettre un livret pour que ça tienne fermé. Ici, ici et ici. Ici, ici, pareil, ici. Alors, vous voyez, j'ai joué avec cette image-là que j'ai imprimée deux fois, comme ça, dans la continuité, d'accord. Et ici, voilà. Ici, et ici. Voici un petit peu pour cette nouvelle page. J'espère qu'elle vous plaît. C'est la dernière vidéo de ce tuto. On va prendre deux feuilles de 10,5 par 29 cm. On fait un pli à 14,5 et à 29. Alors on fait attention, d'habitude je mets 1 cm. Là du coup vous n'avez pas 1 cm, vous avez un peu moins, d'accord. Si vous préférez mettre 1 cm, vous faites avec deux papiers. Moi je pense que quand même ça devrait le faire, hein. On plie et ici on colle. Vous le faites deux fois. Et en fait on en met un de chaque côté. Et on essaye de centrer à peu près les deux. On les colle l'un à l'autre. Hop là. Donc,
là et là. Pour tenir fermé, on va prendre deux feuilles de 16 par 10,5. On fait un pli à 1 cm et un autre à 0,5. On en met un en haut et un en bas. Alors, on fait bien attention parce qu'on est pas pile poil, mais presque. En fait, il faut que ça recouvre ici et ici, d'accord? Du coup, je viens en coller un vraiment à l'extrémité ici, vous voyez? Et l'autre, on le colle à l'autre extrémité. Et on va venir mettre des aimants. On n'aplatit pas nos 0,5. Là. Ici. Et je viens mettre deux aimants. Hop, un. Et deux. Je mets de côté. Je prends une feuille de 26 par 8 cm. Un pli de 1 cm en haut, un pli de 1 cm en bas. Il va venir ici. On va pas le coller tout de suite parce qu'avant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma perforatrice de bordure. Je vais perforer des deux côtés pour que ça fasse plus joli. Et je mettrai du papier décoratif. Je vais faire tout ça en vitesse accélérée et en musique, et je vous reprends juste derrière.